Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce dernier épisode du Last Story d'Underworld de 2020 sur la suite de la fresque dont je vous laisse en compagnie de la timelapse et de la musique et je vous retrouve pour la fin pour les quelques descriptions. Voici, nous voilà arrivés à la fin de ce dernier épisode du Last Story d'Underworld de 2020 sur la suite de la fresque avec un nouveau personnage qui s'appelle Pandelune. Mais qui est donc ce nouveau personnage et dernier personnage? Eh bien, je vous laisse le découvrir dans l'explication, dans la description de la vidéo. Je sais que au tout début, dans les premiers épisodes, j'annonçais les noms des personnages, puis après un peu leur contexte, mais leur contexte dans le monde de Pterancia, monde que j'ai inventé. Eh bien, voilà. Et au début, je disais ça, puis après j'ai changé parce que j'ai voulu écourter les vidéos, la fin des vidéos, l'explication de fin des vidéos, sachant que c'est toujours aussi long. Mais bon, je bafouille un peu, je fais toujours de la merde. C'est toujours mon truc. Je sais pas trop bien au niveau audio couper où il faut. Donc j'ai toujours peur de faire de la merde. Donc c'est toujours long. Je m'excuse encore, mais c'est comme ça. Ensuite, donc vu que c'est le dernier personnage, eh bien je suis obligé de vous donner le contexte de la fresque, ce que veut dire cette fresque. Je peux pas le faire au début, parce que je ne sais pas moi-même ce que je place au début les personnages. J'irai au bout d'une dizaine, quinzaine, peut-être vingtaine de personnages faits. Généralement, je peux donner un contexte, mais je le dis pas parce que voilà, je le fais à la fin, c'est toujours mignon de le faire à la fin. Et donc là, en fait, on est devant ce personnage que vous voyez au centre, qui est une genre de chrysalide, qui est pas vraiment une chrysalide, je sais plus ce que j'avais raconté sur lui, je crois que j'avais dit que c'était une chrysalide, je sais plus, je m'en souviens plus. Et en fait, c'est un ancien, genre d'ancien, il a vécu depuis très, ça fait très longtemps qu'il vit, et donc il a toujours des choses à compter, des trucs dont il a vécu, et donc bah, il raconte, et donc il y a toujours des créatures qui se retrouvent autour de lui. Donc là, généralement, toutes ces créatures, elles sont pas toutes au même endroit, généralement, mais bon, là, pour la fresque, j'ai fait ça d'habitude, elles sont ailleurs, mais c'est jamais, il raconte jamais... à toutes ces créatures là, il raconte à des créatures qui sont les mêmes généralement, et donc là pour la fresque elles sont là tout autour, donc vous voyez, il y en a qui s'en foutent, il y en a qui rigolent, il y en a qui voilà, c'est un peu comme une fête, j'ai voulu faire ça comme un peu comme une fête. Donc voilà pour le contexte,
c'est un ancien qui raconte son histoire et tout le monde vit autour. Donc voilà. Donc, eh bien, si vous avez aimé ce qui est proposé par la Salut tout le monde Jean Prod depuis maintenant, eh bien, plus de 10 ans, c'est très simple, vous avez juste à faire ce que je vais vous dire là et qui va apparaître à l'écran, de mettre un pouce levé, vous abonner, la petite cloche, tout ça, hein, c'est pour l'algorithme, j'aimerais bien ne pas le dire, mais pour les petits nouveaux ou pour vous qui passez souvent, eh bien, n'hésitez pas à le faire, ça met, c'est pour aider l'algorithme et mettre les vidéos en avant. Ce qui n'est jamais le cas, hein. Je reste transparent, c'est jamais le cas, hein. Je fais toujours un peu de la merde, donc c'est jamais mis en avant, je pense. Et donc, n'hésitez pas. Sinon, vous avez aussi les réseaux sociaux pour mettre en avant, hein, pour bah, vous sélectionner celui sur votre préférence, vous partager, retweeter, et ça permet eh bien une meilleure visibilité. Hein. Donc voilà, comme ça, il y a des gens qui viendront émettre leur avis, leur retour, et dans les commentaires des vidéos ou dans les commentaires des posts de ces réseaux sociaux, n'hésitez pas. Vous pouvez venir poser des questions, demander quelque chose, voilà, demander quelque chose au sujet de la caricature, des dessins, de tout ce que vous voulez, des vidéos, n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à le faire. Sinon, vous avez deux autres réseaux sociaux, un qui a fait son grand retour et l'autre le nouveau. Le nouveau, c'est le Instagram, qui vous permet de découvrir une caricature exclusive tous les mercredis là-bas. Sinon, vous avez la chaîne Twitch. Qui a fait son grand retour depuis mars 2020, qui vous propose un stream du dimanche au jeudi, tous ces soirs-là, de 21h jusqu'à 1h du matin, donc n'hésitez pas à passer, hein, vous pouvez venir parler des caricatures, des vidéos, de ce qui se passe dans les streams, sachant que je ne fais pas de caricatures là-bas, et donc n'hésitez pas eh bien, à passer. Voilà, ça fera toujours plaisir que vous êtes intéressé par tout ce qui est proposé par la Salut tout le monde les gens prod. Sinon, eh bien, vu que c'est la dernière, c'est le dernier dessin de 2020, eh bien, l'année prochaine, bien sûr, il y aura la story d'un drawer de 2021 avec une nouvelle fresque, nouveaux personnages. Il en reste encore pas mal à faire, hein, sachant que je vous le dis, à chaque année, il y en a 600, j'en avais 651, on en a fait 52 la première année et 52 la deuxième année. Cette année, c'est 53. Vous avez 53 épisodes. Donc, vous aurez, eh bien, peut-être 52, peut-être 53 l'année prochaine. Ça dépendra. Mais comptez combien il nous en reste. Il nous en reste pas mal si vous enlevez les 52, plus 52. Donc, les 2 fois 52 plus le 53. Vous comptez combien on avait fait et combien il en restera. Combien restera d'années si on va jusque là-bas. Mais c'est à vous de mettre en avant pour que ça continue. Donc voilà, mais je vous remercie donc de m'avoir suivi et m'excuse encore pour ce long truc. Bon, j'arrive pas à réduire, mais bon voilà, je vous remercie encore donc de m'avoir suivi et vous donne rendez-vous à des prochaines vidéos. Allez, salut à tous!